Là. Jamie, une autre porte. Il y avait juste une, en fait une porte sur ta gauche. Cette fois, je crois bien que c'est la bonne. Il y avait une porte sur ta gauche. Il faut qu'on arrive à l'ouvrir. C'est pas vraiment. Ah ce bah que non j'espère. Bah. Geronimo! Ah. Ah bah tu vois, je tombe et à côté de moi le briquet tombe. Ouais, ça veut tout dire. T'imagines, t'es. Je dis pas d'imaginer dans la tête d'un psychopathe. Mais t'imagines. T'es un mec qui veut tuer des gens, t'es dans un hôtel qui tu peux tout contrôler. Tu m'étonnes que à sa place tu t'amuses, hein. Il en profite, hein. Il épuise ses victimes mentalement, hein. Jusqu'à que c'est fini. Hein. Franchement, et quand tu penses que ces trucs-là ont existé, je suis désolé, mais c'est horrible. Hein. Le mec, il a dû jouir comme un ouf, hein, de ces trucs. Hein. Écoute des trucs pas trop catholiques, vas-y, j'écoute. Ouais. Oui, c'est une histoire vraie, totalement vraie. Alors, contrairement que vous pouvez fermer vos gueules, mais par contre la porte, vous pouvez l'ouvrir. Si vous croyez que vous allez me faire peur avec un screamer en mode mannequin, je m'en bats complètement les couilles. Plastique de merde. Comme tu peux dire, plastique de merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Arrêtez de laisser traîner. Arrêtez de laisser traîner les codes. 1, 5, 7, 3. Ok. 1, 5, 6, 3. Ok. 1, 5, 7, 3. Est-ce qu'il y a un coffre ici pour que j'ouvre? Ah bah, il y a un coffre à côté. 1, 5, 7, 3. Allons-y. 1, 5, 6, 3. J'étais sûr que c'était le bon. Et ce n'est pas le bon. 1, 5, 7, 3 n'a pas marché. Est-ce que vous n'êtes pas des gros bâtards et que vous n'avez pas inversé les chiffres? Attendez, je vais essayer après. Ok. Alors, j'ai envie de dire, il y a une réponse, mais c'est pas la meilleure. Yo, Urgot, ça va? On entend pas. Ta. Attendez. Tu vas éviter de courir, j'imagine? Parce que ça va empirer. Là, c'est bon? Ouais, salut, Urgot. Inspecter. Snake. Ok. Ah bah oui, j'ai un truc de serpent. De serpent. Traitement à base d'extrait de Cobra Royal. Institut Civil H. Putain, le serpent, il a... T'as vu la queue du serpent? Elle est longue comme ma... Mais tu vois ce que je vois? Non, parce que moi, bizarrement aussi, j'ai une bonne nouvelle. Ah bah dis. Non, s'il voit pas que... En fait, bizarrement, et je suis tombé... de ma part. T'as un coucou de la part de Tifa et non, c'est parce que bizarrement, au même moment, j'ai arrêté un poster avec un serpent. 1, 5, 7, 3. Alors, est-ce que ce ne serait pas 3, 7, 1, 3, 7, 5, 1 ? 3, 7, 5, 1. Oula, il t'a dit coucou Tifa Pioute. Il y a des corps. Ah, c'est pas ça, sa mère ! J'ai juste une Reaper, roi des rats dans ma boutique. Là. Ah bah, GG. 3, alors, 7, 5, là, 1. Ça ressemble pas à des animatroniques, là, pour le coup, les gars. Tu m'as dit quoi, Claude, pour toi? 3, 7, 5, 1. Est-ce que c'est pas ce que je viens de tester? De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Terriblement humain, j'ai peur qu'il m'attaque. Bon, au pire, il t'attaquera, c'est pas grave. Mais... D'ailleurs, si le son est pas si fort, vous me le dites. D'accord, bah tant mieux pour toi, Ergot, hein. Y'a pas de soucis, hein. Tant que c'est un que t'aimes bien. 5, 5, 7, machin... Monsieur Dumet, je veux... J'ai peur.
Ah non, j'aime pas les lumières. Les lumières clignotent. Ça me paraît trop humain, putain. Essaye de mélanger les chiffres pour voir. Bah attends, j'essaie d'ouvrir cette porte-là, Claude, pour voir. Non, c'est un moteur d'animatronique. Bouge pas. Mais en fait, faut pas que t'avances. Il va bouger d'une certaine façon. Non. N'avance Inspecter. Pas. N'avance pas. Moi, j'ai trop peur. Je pense que c'est faux pas. J'ai peur qu'il Bien me plante, joué, en fait. K. Tant pis. Avec un coup. Et que donc, j'ai un poison ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça trop risqué, en fait. Ça se trouve, j'ai loupé une grosse info. Hein. En fait, Dridri, je vais te dire ce qui se passe. J'ai deux corps devant moi. Donc, ouais. T'as l'impression qu'il a vomi toutes ses tripes. Ouais, donc il a fait la fête, ouais. Ouverte. En gros, il ressemble pas à des animatroniques. Ah pas là. Twitch, vous laissez passer ça, vous pensez? Jamais vu. Des tchouches. Twitch, vous pensez que Twitch va laisser passer ça? Des tchouches. Ouais. Ouais, des mannequins, monsieur et filles tout nus. Donc, je regarde pas pour l'instant. Vas-y, dis-moi. Donc, en fait, il y en a un. Mais ça m'excite. En fait, les corps ont l'air trop humains. Et en fait, t'en as un, il a une aiguille dans la main. Mais il a un truc vers la main qui fait que l'aiguille est connectée à son poignet. Mais vraiment connectée. Et en fait, ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, apparemment, je peux avancer ma main pour attraper quelque chose, mais je peux aussi faire retour. Donc pour moi, j'ai l'impression que je vais me faire piquer. Et je sais pas ce qu'il y a dans l'aiguille. Donc ah en fait, ouais. Moi, pour moi, j'irai pas. Surtout qu'on a. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un 9, un 6 sur le truc. Où t'as vu un 9, un 6? Ben, moi, j'hésiterai. Mais des fois, hésiter, ça peut... Je sais pas. Ouais, j'avoue. Tiens. Ben, c'est fait. De toute façon, c'est fait exprès pour te faire hésiter. Mademoiselle, vous êtes toute nue, il y a moyen que vous m'invitez? Cher monsieur Thompson, et si vous me fichiez la paix? Mais oui, il a vu. Avant le tableau. Avant le tableau, il y avait un chiffre. Cher non, mais j'ai pas loué. J'ai essayé de vous contacter plusieurs fois au cours des dernières semaines pour vous parler du. Ah oui, 1916, dédié au 20 avril 1916. Ah, vous pensez que c'est ça? On va tenter 1916. Et je peux essayer 1972 aussi. Attends. Bah, on va essayer le tien parce que moi, sinon, je vais pas m'en souvenir. 1972. Est-ce que j'ai un code à taper? Bon, je pense pas c'est le tien, mais je le tente quand même, je tente celui d'Orgot après, parce que c'est vrai. Combien de chiffres? 4. Ah, merde, sinon je t'aurais donné un autre. C'est pas ça. C'est et en gros, il m'a dit 1916. Sur les jambes de votre fils, nous vous inquiétons pour sa santé. Ah, donc apparemment, le Hector, il a eu des problèmes. Il devait se faire frapper par sa mère, j'imagine. GG, Urgot. C'était quoi? 1916. Bah, en fait, c'était le code qui était marqué sur le tableau. D'accord. Et c'était un truc avec une grand-mère. C'est un secret qui a été trouvé. Ça avance pas dans l'histoire, mais c'est un secret qui est trouvé, donc c'est nickel. Ben, GG, Urgot, ouais, j'ai cherché un numéro, mais c'est pas le numéro que je voulais. J'ai vu la date, mais c'est pas le truc que j'aurais tapé de suite. Au fur et à mesure, j'aurais trouvé, je pense, mais j'aurais fouillé toute la salle avant, donc GG, ouais. Franchement, GG à toi. C'est GG. Oh, Tiff? Ça te rappelle pas quelque chose, ça, Utin Down, projecteur, screamer? Si. Non, parce que là, je suis dans une salle sombre avec un projecteur au milieu. Pour ça, je te dis ça. Ah, hein. Moi, je tenterai pas. Ah, chai, ok. Donc, je fais examiner. J'ai appuyé. Je me dis de pas appuyer. Je l'ai fait. Oh non, ça me fait un projecteur autre part. Je reviens dans 5 minutes, pas de soucis. Eh, c'est copié sur Utin Down. Dès que j'ai fait le projecteur, ça va fermer la porte derrière moi. Irine. Putain. Ah, je vois ce que je vois, Irine. Tu me vois? Ouais, bah, je vois Irine en train de se dans une salle. J'étais et qui disparaît. J'ai pas ouvert de porte. Vous allez me foutre un streamer si j'avance, non? C'est obligé. What? Non, tu vas pas me dire que c'est vers le gars. Erin, What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette shit? Qu'est-ce qui se passe? Il a un micro dans la bouche. Comment tu... Je sais pas du tout, moi je suis en train de parler à Erin. Exactement ce que je te dis. Ouais? D'ailleurs, t'as fait des trucs contre ma gueule? Où est-ce que t'es? Je te... Non, non, c'est là que je suis en train de parler avec elle. Oui, oui. Oh merde. Oh putain, je viens de voir l'image du tueur. Erin! Cache-toi dans le placard. C'est soit tu te caches dans le placard, soit je te dis de courir.
Putain, faut que je te donne un ordre. Oh putain, faut que je te demande de soit d'être dans le placard ou de courir. Surtout que moi, ça reste bloqué sur un truc. Pareil. Bon, allez, cache-toi dans le placard. Il y a un placard, cache-toi à l'intérieur, vite. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Casse-toi, Erin. J'ai vu le tueur. Qu'est-ce qui se passe? Erin, vite, fais-moi confiance. Faut que je sache où est le placard. Ah, il fait noir maintenant vers toi. Ouais. C'est Claude, pas Yorgoth. Oui, excuse-moi, oui, j'ai à toi, Yorgoth. Je t'écoute, je me cache. Claude. J'ai à toi, Claude. J'espère que je vais pas mourir comme ça. Excuse-moi, Claude, c'est vrai que j'ai mélangé entre vous deux. Parce que je vois plein de messages, là, j'ai pas eu le temps de voir. C'est moi ou il a un masque? Un masque oui, ressemblant oui. Au Holmes. Ouais, ouais, c'est le même masque, c'est le même truc. T'inquiète, tu regardes, c'est pas grave. Il va falloir que je respire de façon, j'imagine. Ah bah si t'as ça, franchement, je t'ai foutu la guine. Hein. Ouais, il a un masque spécial, d'accord, ok. Bah, ce qui lui permet de pas savoir qui c'est. Sinon, ce serait facile à savoir qui est le méchant. Ne tourne pas vers moi, s'il te plaît. Non. Ah non. 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 Par contre, je sais pas ce que je dois faire. Mais en tout cas, ouais, GG, Claude. Hein. On est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va éviter de mourir. T'as bien fait de me dire de me cacher. Merci. Bah, c'était entre les deux. Je me suis dit que d'un côté, c'était risqué. Jamie. C'est dans le Kingdom, quand tu te caches, le tueur te chope. Donc c'est vrai que j'avais flippé. En lieu sûr, j'espère. En train de se demander où on est. En train de se palucher. Kate, regarde ça. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? On est coincé? J'en ai bien l'impression. Allez, roulez-moi une pelle. Ah non, c'est vrai, elle veut. Quoi? Ah non, moi j'ai dit, tu touches pas avec un bâton. Tu entends? Tu crois que c'est eux? D'où est-ce que ça vient? Il y a quelqu'un dans le restaurant. Ok, l'enculé. À Mark et à Jim. Donc c'est bien ça, il enregistre tout. Et il met des animatroniques à la place. Ouais. Mais pas toujours, t'as vu? Des fois, il y a des vrais corps. Mmh. Bah, non, t'as pas dû voir. C'est quoi ce bordel? J'aime bien parce que pour le black, il lui a même pas fait de cheveux, cet enculé. Il a la flemme, hein. Ouais, je vois ça. Mais qui peut faire un truc pareil? J'en ai marre qu'on joue avec moi. C'est complètement dément. Je sais pas dans quel merdier nous a mis Charlie, mais si je vois du maître, je le défonce direct. Oh, t'as fait un rime quand tu t'exprimes. Inspecter les mannequins. Ok, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah si des gens te mettaient des cheveux, ça serait pas mal. Mais pourquoi les blacks ils ont pas de cheveux? Mais c'est quoi ce bordel? Y'a que eux qui en ont pas? En fait, c'est un tueur raciste. Ouais, il est raciste. Erin. Oh putain. C'est complètement dingue. C'est quoi ce bordel? Et on va regarder le connard là? Il lui ressemble vachement. Pourquoi quelqu'un se donnerait tout ce mal? Histoire de nous faire flipper? The devil in me. Celui avec Charlie, c'est vrai que comme elle dit, c'est le plus. C'est le plus ressemblant, Charlie. Putain, Mark. Il a les mêmes fringues que toi. Mais arrête de courir, je te vois courir derrière. C'est fait exprès. Je sais pas s'il faut que je les examine tous en fait. Donc... Pourquoi le hall est fermé? Kate. Moi j'ai rien fermé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, j'ai inspecté les quatre. Qui a fait ça? Je trouve ça vraiment flippant. Elle m'a fait peur, elle aussi. Ouais, c'est une pute. J'ai pris une photo. J'ai pris en 4K. T'as pris un caca? Un caca, ouais. Un 4K? Un caca en 4K. En caca, un 4K, en 4K? Y'a rien ici? Mais c'est moi ou on doit finir la discussion? Ben, peut-être qu'il faut attendre que les mannequins ont fini de parler, ouais.
Ouh, il y a une autre tête porte qui s'ouvre. Non, il y a rien. Il y a peut-être un document par terre, un truc à trouver, je sais pas. Ah, là, il y a un truc par terre. Tu entends ? Des pas. Et il se rapproche. Pourquoi il nous aurait invité ? Faut se cacher. Watch out. Watch out, il a dit. Ou elle. Ouais. Merde. Oh non. Toi aussi, t'as ça ? Merde, oui. Maître Dragon a échoué. Je vais t'enculer. C'est non, c'est moi, c'est, non, c'est marqué Tifamaki a échoué, moi. Je te jure, il y a marqué ouais. Maître Dragon a échoué. Oui, mais moi, ouais, ça a échoué parce qu'en fait, j'ai eu le rouge avant toi. D'accord. Ça va, c'était pas... On va la faire style à... Où est... Trouver Charlie. Où est Charlie? Où est Charlie? Il est tombé dans une saloperie. Cher. Un quoi? Cher. C'est une blague? Un truc à la Holmes. Je rigole pas. Et tu l'as laissé? Ça s'est refermé, je pouvais rien faire. Et tu t'es... Je vais manger tout à l'heure peut-être. Pas de soucis Claude, bon appétit à toi. Tu m'aides à tuer le gardien. Bon appétit. Quoi? Sous nos yeux. Dumette? C'est un traquenard. Il portait un masque et je sais que ça a l'air dingue, mais c'est pas une blague et maintenant il en a après Erin. On doit partir. Non mais c'est pas possible. Vous savez, comme ça quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac... Mais dites-moi que je rêve. ...les accusations. Corps... Tché. Putain, fais le taire. Corps... Tché. The fuck. Tché. The fuck. Tché. Tché. Corps... Oh merde. C'est un vrai œil ça. T'avais raison. C'est un faux. Un accessoire. Ou un œil d'animal, forcément. Non, 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 je rêve. Non. Non. Ah. Oh, c'est un vrai, putain, je vous l'ai dit que c'était du délire. Vas-y, touche-le. Vas-y, touche-le, vas-y. On le tripote chacun notre tour, là, j'ai pas fait quelque chose. Vas-y, fais péter un chouch. Mais ouais, même moi, franchement, j'aurais regardé. Mais qu'est-ce qui se passe? En vrai, je pourrais éteindre la lumière pour être dans cette le thème. Cette porte aussi est fermée. Ouais, putain, pourquoi je laisse allumée? Ah, peut-être pour pas péter les yeux. Tu m'aides? T'as envie de jouer? Sors de là, tout de suite. On va s'amuser. J'ai éteint, comme ça je suis plus dans le noir. Puisque c'est un jeu où vous faites dans le noir, bah, je suis dans le noir. Non, mais moi aussi. Oh, Charlie, sous-sol. Et toi? Ah, moi je suis Charlie. Oh non. Bah, ah, c'est toi qui es Charlie? Non, j'ai pas j'étais Charlie, mais on l'a vu à la cinématique en dessous. Ouais, là Tifamaki et Erin. Oh merci, je suis pas Charlie. Parce que s'il meurt, j'ai pas envie que ça soit par ma faute. Oh la garce. La pute. Il va falloir t'aider, j'imagine. Faut pas que tu crames. Peut-être, ouais. Donc ça peut être de ma faute. On verra bien comment ça va se passer, je ne peux pas te dire là. Repim. Alors non. Repim c'est pim. Moi, en fait. C'est moi Charlie. Bah j'ai vrai, il y a marqué Tifamaki et Erin. Oh non, j'ai pris la clé, il y a du feu. Pourquoi ils ont dit que t'étais Erin alors que tu joues Charlie? Faut m'expliquer. Et pourquoi il y avait du Charlie. Feu? Oh non. Ça veut dire qu'il faut pas tout prendre. Ah bah tu vois. Je sais pas si c'est bon signe, hein. J'ai un briquet de Charlie où il y a marqué goodbye. Un cadeau de son père. Il a pas goodbye. Pu l'abandonner. Goodbye. Non, adieu. Goodbye, enfin. Il l'a fait exprès. Je sais pas pourquoi je savais que t'allais sortir ça. Putain, mais je savais, hein. Putain, j'aurais pu mettre mon énorme merguez et mon braquemar ou ma muraille de Chine à brûler. J'ai pas envie de cramer, putain de taras. Ah oui, je te vois, je te vois, ouais, je te vois à terre. Là, je suis plus à terre, là, je suis debout. Ah mais non, mais bizarrement, nous on te voit en étant à terre. C'est bien lui. Bah là, je vais ouvrir la porte. Ah mais c'est. On doit rentrer. C'est peut-être un faux alors. Bah là, j'ai bougé là. Ah non, parce que nous on te voit à terre sans les flammes. T'es dans une pièce. C'est trop bizarre. Les années sont le vin qui remplit la coupe du temps. Ah, il y a un code. C'est une dire que chacun est responsable d'une sorte de quelque chose, j'imagine. C'est logique, non? Tueur de les Chicago, gadgets, victime les de pièges, causes des blessures abdominales, des dents de la victime ont été arrachées. Ah, des escape rooms mortels. Oh non. Donc, il va falloir que je trouve un. Attends, les dents de la victime ont été arrachées, ça me rappelle le gars de tout à l'heure. Réfléchissons.
Je crois que c'est... Qui d'autre pratiquait ce genre de jeu? On fera un profil quand on aura le temps de s'offrir ce luxe. J'essaie de trouver un moyen de sortir de son jeu. L'oreille de la victime a été découpée avec un objet très tranchant, probablement. Je crois qu'on va être obligé de jouer le jeu si on veut sortir d'ici. Il faut trouver une date. Une date est une date, une date est une date, une date est une date. Vers 9. 1839. Bah, c'est le code 1839. Ah non, vert et le 9. Oh non, c'est tordu. C'est tordu, ok. Il va falloir... C'est tordu comme ma queue. Putain. Quoi? Quoi? Je sais pas, tu dis c'est tordu comme ma queue. Alors attends, je mets le vert, c'est le numéro 9. Chaque couleur, ils en ont un. De quoi? Oh la vache. Ça a peut-être un rapport. Dis-moi, avec les dates sur les bouteilles. Rouge 1. Vert 9, rouge 1. Ah, t'as une énigme? Une énigme où il faut que je regarde chaque vin et ce qui est entouré par rapport à la couleur du code pour pas me tromper. D'accord. Avec la plupart des éléments de l'équipe sur l'île, transport des équipements jusqu'à l'hôtel. En contact avec Monsieur Becknap, le premier étage de l'hôtel. Début de l'évaluation sur site, début des travaux d'excavation dans le sous-sol. Invisible. Non mais les mecs, vous êtes avec moi mais vous servez à R. Le matériel disparu, nous avons finalement demandé un remplacement. J'aime bien Pim qui me met une petite grenouille. Jaune 6, donc jaune pisse. Il y avait ça, un message un peu en urgence. Il ne m'a pas contacté directement, répond Récréation. Coucou, Ike, Anno, comment ça va? Et merci beaucoup pour ton follow. GG pour follow. Donc c'est jaune. Rouge 1, vert 9, jaune pisse. Ok. Et rebonsoir, comment ça va? Et bonsoir, comment ça va? Bobby m'a laissé en France, c'est la deuxième fois qu'un méga me lâche. Là, début des travaux de rénovation du bar. Bleu, c'est le numéro 8. Fin de travaux de rénovation du bar, le chantier avance bien à ce rythme. Tous les murs mobiles ont été implantés. Oula! En 2017, alors, tous les murs mobiles ont été implantés. Rouge 1. Le bleu, c'est le 8. Le vert, ça c'est va, le ça 9. Ça va, je vais pas se faire un tour. Bah merci beaucoup à toi. Et le jaune, c'est la pisse. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai trouvé le code. C'est quoi ce bruit? Ça y est. What? C'est toi qui m'as ouvert la porte? Bah, j'ai ouvert une porte. Qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, c'est... Non, enculé de ta race, tu fumes pas. Je suis coincé. Parfait. Hein, on te voit sur une télé? On te voit sur une télé? Ouais, c'est ce que je vois. T'essaies de... Là, on te voit mettre la main dans un trou. Non... Ah, on voit la scène. Ça m'arrive. Moi, j'ai rien fait, là. C'est quoi cet endroit? C'est bizarre, on te voit dans une cellule sans les flammes pour l'instant en train de fermer la porte à... Ouais mais regarde, ça pue là, ça y est. Mais non, ça il est pue, con, appuie pas. Eh, de quoi appuie pas sur quoi? Moi, il appuie sur rien, moi. Regardez. Non, le mien, il y a un levier avec trois flammes dessus. Ah bah, appuie pas. Appuie! Il se passe un truc. Faut le sortir de là. Mais comment? Oh là, il y a le tueur, c'est pas où il est. Ah, ok. Ah, mais c'est bâtard. Le levier, ça va te permettre de t'aider à sortir. Ah, il y a un truc en dessous. Tu peux sortir par le dessous. Je peux sortir par le dessous, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il a un briquet, je crois. Mais c'est quoi cette horreur? C'est un de ces trucs. Ah ouais, je viens de voir le mannequin avec le briquet à la main. S'il y a du gaz là-dedans. Faut faire quelque chose. Oh non, mais qu'est-ce que je fais? Il va cramer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as dit, il y a un truc en dessous. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais le jeu te force à maintenir la touche pour le... Ah non! Oh, c'était bâtard! Si on rien faire, j'avais un choix d'appuyer sur le levier ou pas. Non, du maître veut qu'on l'utilise. Et je l'ai pas fait. C'est encore un jeu, je le sens pas. Moi, j'active pas le levier. Là, sans rien faire! Active-toi, Charlie! Ça s'empire pas, le fait que tu actives pas le levier? Je ne sais pas du tout, il y avait trois flammes dessus, donc moi j'ai pas appuyé, hein. Je suis en train de cramer! Ça se trouve, c'était Charlie. Pour sauver ta gueule, en fait. T'avais pas un truc pour sauver en bas? Non, j'ai rien pu faire. Oh non. Ah bah moi, tu m'as dit, n'appuie pas. J'ai pas appuyé sur le levier. Moi, j'ai rien dit, hein. Si, je t'ai dit, un levier avec trois flammes, tu m'as fait, bah appuie pas. Mais en fait, c'était ça, alors fallait appuyer. Peut-être que les trois flammes, ça voulait...
Peut-être que les trois flammes, c'était pas les flammes pour faire paraître le feu, mais pour éteindre. Bah ouais, en fait, peut-être. Ouais, mais c'est bâtard, parce que les flammes, quand tu vois des flammes sur un levier, ça veut dire que ça va cramer. Il a dit gameplay Jeanne d'Arc. Oh ouais, non, c'est vrai. Quelle triste façon de partir. Ah, je crois que c'est mon chéri qui vient d'arriver. Je m'interroge sur les choses. Ah, je suis là, tellement que je m'en pèle les couilles. Pourquoi mon cœur? Il peut s'avérer parfois difficile de travailler avec quelqu'un qu'on aime. Charlie. Où est Charlie? Où est Charlie? Bah, il est mort. Tu sais, celui qui a ta lunette. Ils apprendront de nouvelles choses l'un sur l'autre. Il a cramé. Que pensez-vous des superbes animatroniques de monsieur Dumais? En fait, très louche. Je les trouve ingénieuses. Ouais, okay. Certaines sont extrêmement réelles. Ouais, c'est ça en fait. Je me demande d'où proviennent les pièces. Il vient de dire que... Les animatroniques ont l'air d'être sont ingénieuses. Il y en a certains qui me paraissent réalistes. Et il a fait, je me demande de quoi elles sont faites. Bah, d'humains. Voilà. Et donc Pim me dit ce que j'aime le conservateur. Est-ce que Pim, à la limite, tu sais la réponse de s'il fallait appuyer sur le levier ou pas? Dis-moi juste si tu sais la réponse. S'il fallait appuyer sur le levier, moi j'avais écouté Tifa de pas appuyer, il y avait des feux dessus. Bah moi, tu me marques des flammes, équitable à ce bah pareil. De vous offrir un petit indice pour équilibrer... Mais je m'en foutais de Charlie, hein. Qu'en dites-vous? Toi, tu as marqué oui, je parie, toi, tu vas faire ta pute. Non. Non, tu sais pas? D'accord. Si vous ne pouvez vous mettre d'accord, tous nos espoirs sont... bah, tu sais pas, mais toi, tu m'as dit non, j'ai cru que tu dis répondre à moi, à non, et pas à Pim. Non, mais là, j'ai dit oui, je veux bien un indice. Mais moi j'ai mis non parce que moi je t'ai dit est-ce que t'as mis non ou oui pour l'indice? Tu m'as dit bah non. Retourner. Et en fait, moi j'ai appuyé sur non et après, j'ai vu que t'as entendu que. Enfin, après, j'ai entendu que tu parlais à Pim. Je suis ah merde. Il y a Pim. Ah non, c'est pas Pim. Il y a Ikeno qui m'a dit peut-être que le levier aurait désactivé les flammes du briquet. Peut-être, on sait pas. Ouais, tu vois. On sait pas du tout. Non, mais d'un côté, c'est bâtard, tu sais pas en fait. Ouais, parce que normalement, quand tu vois ça, c'est pour dire que ça va alimenter. C'est quoi le délire? Bah, c'est ça. Mais d'un côté, je suis en train de me dire que d'un côté. Tu entends? Quand t'actives un levier, il faut qu'il soit en haut ou en bas, ou c'est la plupart du temps, c'est n'importe. Pour moi, je suis notre seul moyen de sortir d'ici. Ça fait quelque chose. Alors, d'accord, parce que là, le levier, c'était pour le descendre. Ok, bon bah ça va. Parce que des fois, des leviers, quand tu le descends, c'est pour éteindre, mais des fois, quand tu le descends, c'est pour activer. C'est. Voilà quoi. Après, peut-être que ça aurait pas changé grand chose, on sait pas. Hein. Non, ouais, ils sont censés tous survivre, donc je pense que si. Vous êtes sûr de vous ? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres options. On joue avec ce qu'on sait, hein. On peut pas avoir raison du premier coup, hein. On aurait dit plutôt dans le style hôtesse et tout qu'elle parle d'un truc de réception et tout, mais enfin, pas hôtesse, mais plutôt une femme dans la réception. Mais il y a un corbeau. Oh my. Il y a un truc rouge. C'est moi ou c'est toi? C'est oh toi. My. Oui, c'est moi. C'est toi qui a... Oh, putain, je me demandais ce que c'était de la lumière, mais c'est toi, putain. Oh ah, my. Bah, derrière. Tu l'as vu? Oh my. Tu l'as vu? Ah, je l'ai vu. Ah, j'en ai vu deux. Ah, la des tchouches, mon pote. Ah ouais. Oh, les tétés. Les tétés. Ah, j'en ai vu deux. Je parle du tueur, hein. J'ai pas parlé de cul, hein. Ah, non, j'ai pas vu. Quelle indignité. Bah, le tueur, il est passé juste après, là. Ça sent l'énigme à la con, il y en a un ou deux qui peut crever. Regarde, il y a un bouton à appuyer. Je sais pas, ça, je le sens pas. Hein. Merde! Alors ça sent surtout. Regarde, on dirait du saut. Bah oui. Ah, regarde! Elle dit, il parle de Monica, un homme et une femme, et regarde, c'est ce qu'il y a en face. Et à mon avis, il a dû reproduire la scène de ce qui s'est passé. Ouais. Moi, mais putain, c'est le genre de mécanisme où les chaînes rentrent de plus en plus pour se faire transpercer. Ouais, c'est du saut tout croché. Donc, soit t'examines, soit t'ouvres la porte. Tu choisis quoi? On ouvre la porte? T'imagines, t'examines pas? Toi, t'aurais fait quoi? Toi, tu fais quoi, toi? Non, je sais pas, en fait. Je me cache, je sais pas. T'imagines, t'ouvres la porte? Tu te fais buter? T'imagines, t'examines? Ça tu te fais buter? En fait, ça se trouve, t'examines c'est... et c'est ça, pour... ça tue les animatroniques. Ah, bah les couilles alors! Pim, elle a dit qu'elle examine réel. Putain de merde. Moi, je vais le faire. Parce que tu m'as dit, au pire, ça tue les animatroniques. Et on s'en bat les couilles. Message. Ah, il y a un compte à rebours pour que ça avance. Ouais. Ah, en fait, c'est lui qui a gagné et c'est elle qui va mourir. Voilà.
Ah, peut-être que tu peux trouver. Ah, d'accord, je comprends bien pourquoi t'as dit d'examiner. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Non, mais c'est le moment, moi, quand tu m'as dit, tu m'as sorti la phrase. Ouais, de toute façon, c'est des animatroniques. Bon, là. Hein. Et c'est là, c'est les trucs des. Donc, c'est Ryan qui est un enculé. Ryan Hart est un enculé, c'est lui qui a. C'est le spa. Le pass du spa. Il y a marqué. Enfin, en traduction, il y a marqué le pass du spa. En anglais, c'était marqué Spa Master. Le maître du spa. Oui, il est décédé. Et Audrey, c'est Erin. Ah, c'est cool. Bah, je suis Erin en face du tueur. Vous approchez pas. Voilà. Moi, il y a le tueur sur moi. Voilà, course-poursuite. J'aimerais bien voir sa vraie tête, en fait. Moi aussi, ça m'intrigue. Oh, merde. Non. Je sais pas si t'as la même scène que moi. Oui, Erin est conne. Oh non, tu vas pas me dire qu'il va falloir que je prenne une décision. Si. Oh, la musique. Si. Je suis Kate. Je crois. La musique. Non, Jamie. Kate. C'est la musique du trailer. Que je kiffe. Ouais. Je le savais. Ah ouais, je l'entends. Ah merde. Oh non. Oui, mais faut pas oublier que normalement tu peux survivre avec tout le monde. C'est qu'il y a un truc. Ah ouais, je me vois à droite. Merde. Comme par hasard, son ex qui t'a mis et qui veut se rapprocher, et à droite, ça, la meuf qui veut pécho. Putain. Ah ouais, c'est sa meuf qui pécho. Bah non, mais tu sais, l'autre perso qui veut qu'ils sont embrassés. Comme par hasard, chacun a une personne à qui il tient. Comme par hasard. Vous étiez 179 au début du let's play, Izzy. Elles sont coincées. Moi je sais, moi. Ouais, c'était bien ce que je pensais, j'allais dire 179, mais j'étais pas sûr. Putain. C'était quoi ? Ouais, mais c'est qui les deux morts alors ? Bah, un, c'est Charlie. Mais c'est qui le deuxième ? Non. Je suis sûr que c'est une question d'oxygène. Le premier, c'est Charlie. Mais le deuxième, je sais pas. C'est une question d'oxygène. Avec Erin et elle. Alors que elle, c'est elle qui a le plus de mal, elle. Ouais. Ces fenêtres sont soudées à la paroi. Ce salopard veut absolument qu'on regarde. Culé. Attends, là. Ouais. Ça leur donnera de l'air ? Non. Pas à toutes les deux. Ce système aspire tout l'oxygène. Ouais, mais attends. Peut-être qu'Erin a peut... C'est le vers qui on oriente ce levier. Et condamné à mourir. Quoi ? Alors, attends. Avant de prendre une décision. Ouais, mais on aura du temps. Il veut qu'on choisisse, c'est ça ? Oui. Bah Erin, est-ce qu'elle a son inhalateur sur elle ? Bah en fait c'est ça le truc. Est-ce qu'elle a son inhalateur ? Elle peut durer plus longtemps avec son inhalateur. Je refuse. Oui, si elle l'a, elle peut durer le temps de l'épreuve. Les deux vont mourir, Marc. Sinon, faut pas. Imploration. Ah mais tain, j'ai des. Ah oui, si je suis Erin, on va tous mourir. Aidez-moi. Mais est-ce que elle est pas en train de stresser juste ? Faut se décider. Je sais pas. Maintenant. Alors que l'autre a l'air de moins bien respirer l'autre pour l'instant, la rousse. Mais hein. On peut ne pas décider aussi. Oui, certains jeux tu décides pas. Moi je touche pas. Hein. Je touche pas. Hein. Je touche personne. J'arrive pas. Pardon. J'ai touché personne, t'as fait quelque chose ? Bah non, c'est toi qui as dû prendre la décision. Mais j'ai pris aucune décision. Oui, je veux dire, t'as pris une décision de rien faire. Bah oui. Quoi ? C'est Charlie. Merci. Attends, mais... Pourquoi elle est vivante ? Elle ? Pourquoi c'est elle qui meurt ? Mais j'ai pris aucune décision. J'ai pris aucune décision. Alors on m'explique si tu prends qu'une décision j'essaye. J'ai vu que t'as rien bougé. Mais alors on m'explique pourquoi. Il y en a une des deux qui vit. Bah ouais, sachant que j'ai pris aucune décision au final. Alors est-ce qu'il fallait pas donner de l'air à celle qui avait de l'asthme? Enfin, qui avait du mal à respirer, elle est morte, elle pour est que morte, l'autre puisse survivre assez. Oh putain. Bah, c'est oui, mais en vrai. Même temps, non, j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas, je suis perdue.
Je savais pas quoi faire. Bah voilà, en fait. C'est je pensais grave. Que si on prenait une décision, t'es ça allait tuer. Mais j'ai l'impression qu'ils nous disent l'inverse. C'est pas notre faute. Si tu prends une décision, c'est celle enfin, de si tu du prends pas de décision, tu... Il nous a piégés. On est d'accord. Ouais. Il faut un plan. Oublions les jeux, les pièges, toutes mais ces conneries. Mais t'as vu ce qu'elle a fait. Elle a marqué, c'est Charlie. Repensez aux tueurs dont on a parlé. Ils ont bah, toujours ouais, un c'est bizarre. Faible. Je propose qu'on invite pour un thé et une psychanalyse. Je propose surtout qu'on réfléchisse. On peut toujours en débattre. Mais si on meurt ici, ça servira à rien. Je joue pas au détective, je veux juste survivre. C'est en jouant au détective. Et moi, ça se trouve, je me suis dit, ça se trouve, si on donnait de l'air jeu, on perd. On doit être à celle qui avait besoin d'air le plus, et ben en fait, les deux survivaient, ça se trouve. Il faut qu'on reste groupés. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Il est peut-être en train de nous écouter. Non, t'inquiète, tu peux y aller. Où est-ce qu'on va? On retourne au bateau. Sauf qu'il est plus là. En tout cas, c'est pas grâce à moi, apparemment. On peut peut-être le ramener. Peut-être ça suffira pas. Et le phare? Ça veut dire qu'on a déjà eu deux morts. On pourra peut-être envoyer un SOS. Il y a toujours des bateaux de flics qui patrouillent sur les lacs. Dans ce trou perdu, la lumière d'un phare se repère à des kilomètres. Vous avez filmé? Sans preuve, personne ne croira. Tu veux que je le filme en train d'essayer de nous tuer? Et les corps. Pour les flics. Bah ouais, mais il t'a entendu. Moi, ce que je comprends pas d'ailleurs, c'est pourquoi elle a craché du sang. Vous entendez? Bah, en même temps, est-ce que quand t'es malade, t'as une mauvaise respiration, est-ce que c'est okay, pas comme attends, ça? On doit rester groupés. Je sais pas. Merde! Kate! Attends! Y'a Pim, elle fait. Oh non! Où est Erin? Bah. Oui. Bah, where is Erin? Erin is dead? Moi, je pensais que de prendre des essais, ça allait tuer quelqu'un. Hé! Hey, d'ailleurs, Jojo, ça me rappelle, tu sais, quand on attends, disait est-ce que tu tues la meuf ou si te tues toi ou si tu tues personne, et au final, on pensait avoir tué quelqu'un et ça avait tué personne. Oh bah! Au revoir, Marc. Mais... Vous saviez, vous auriez pu la sauver. Bah, on savait mais quoi? Mais à la base, on s'en doutait qu'on peut sauver tout le monde. Sauver les deux? Bah moi je voulais sauver les deux en fait en prenant pas de décision. Parce que si ça se trouve on tue la personne en prenant une décision. Mais ça se trouve c'est ce que t'as dit, ça se trouve il fallait peut-être aider celle qui avait le plus de mal à respirer pour que les deux viennent. Et bah, de survivre. C'est ça en fait, mais c'est ce en que fait, je viens pour de me... moi c'est si on prenait une décision on les tuait en fait, on en tue au moins une. Oui. Donc moi je me suis dit si on prend pas de décision ça va peut-être en tuer aucune. C'est peut-être con hein. Là, j'ai un QTE pour récupérer mon appareil photo. On avait même pensé tous les deux que si on disait que c'était Erin, elle aurait peut-être pu rester un peu plus longtemps avec son inhalateur. Donc au final, on était même pas sûr. Mais on savait même pas si on en avait un, c'est ça qui est dommage. Bah ouais, on savait même pas. Ah bah super. Ok, putain, c'est quoi c'est, de la... c'est quoi c'est de l'acide dans ces trucs? C'est bizarre. Est-ce que c'est de l'acide? C'est quoi que j'ai trouvé par terre? Une autre pièce, non? Encore une pièce. Mais moi, j'aurais pas cru qu'Erin serait morte comme ça. On nous avait dit, vous avez trois inhalateurs. Pour moi, c'était fini, quoi. Ah, oh, merde. 17. Ok. Oula, attends. Vous occupez du multi... Je vais appeler du maître. Ah, t'es méchoué. Merci. Pardon. Eh ben, mais ça se trouve, ça aurait pu la sauver, c'est vrai. Mais attends, je comprends rien. Qui c'est qui est mort du coup? Bah apparemment Erin. Je suis pas assez douée pour sauver les gens. Ah attends, non. Et donc... que... C'est pour ça qu'ils m'ont dit de me cacher, et le tueur. Putain, merde. Et le tueur juste à côté de moi. Erin, c'est la rousse? Non, c'est... C'est celle qui... Merde, qui explose les têtes. Je sais pas. Ouais, je Erin, sais pas, c'est celle... Erin, c'est celle qui a des problèmes de respiration. Enfin, qui craint tous les domaines liés à la poussière. Tout ce qui est poussiéreux, elle aime pas. Bah, c'est ça en fait. Elle ah, bah voilà, tiens, Claude, il m'a répondu. Car les poumons, ils s'écrasent quand tu manques d'air. Et plus elle a du mal à respirer, sans son inhalateur, bah, plus ils vont s'écraser vite les poumons. D'où pourquoi elle a craché du sang. Merde. Donc, à mon avis, désolé, fallait donner. Donc, à mon avis, de ce que j'ai compris, il fallait vraiment donner de l'air à elle. Pour que l'autre, de toute façon, dans les deux cas, comme on a vu, elle a eu du temps à respirer. Ce qui aurait suffi de sauver les deux. Bah ouais, mais moi j'étais pas sûr, et même toi tu savais pas, tu m'as pas répondu, ouais. Mais moi je t'ai dit, je te laisse choisir, mais pour moi, je pense on aurait donné à elle, ouais. Ouais, bah tant pis. Hein. Moi je suis pas assez douée dans ce genre de jeu. Mais putain, mais...
Ouais, y a un truc que je comprends pas, c'est... Oh nom de Dieu. Je suis bloqué avec le tueur qui va faire des cochonneries. Mais moi j'y arrive pas, c'est ça de dire en fait. Attends. Là je dois respirer avec le truc croix. Bah attends que je remette la lumière parce que je suis pas assez doué. Ah peut-être que... Ah si, peut-être que c'est comme ça. Ça y est. Une fois que l'instructeur réussit. J'ai ouvert la porte. Moi j'ai un truc où je dois respirer. Mais ok Claude, ouais. C'est ce que je pensais. Mais je suis une merde, hein. Faut pas en douter, hein. Non, mais c'est pas grave, ça arrive, hein. On pouvait pas savoir. C'est ça qui me saoule. Putain, j'ai plein de QTE pour pas respirer. Dans la vraie vie, je serais morte, quoi. Super. Ou je tuerais des gens sans faire exprès. Tu tuerais des gens sans faire exprès. De toute façon, comme dit Sinao, je prends toujours les mauvaises décisions. Mais le pire, c'est que c'est vrai, mais je le fais pas exprès. Même pour ça, j'aurais pu hésiter à faire comme toi, honnêtement. C'est vrai que c'était assez tendu, de ce côté-là. Voilà, c'est pour ça, en fait, on a chacun nos... Bah, on a chacun pas eu de chance, quoi. Bah, parce que pour le coup, ne me dis pas que les deux morts, c'est de ma faute, quoi. Allez, on continue. Enculé. Fils de pute. Ah, je te vois courir. Ok, vas-y, je te vois courir. Ah, il y a un truc ici. Je vais inspecter. Fais attention. Si tu vois un truc sur fond blanc qui fait un peu laboratoire, tu te casses. Parce qu'il est là. Un truc sur fond blanc qui fait laboratoire ? Ah ! Attends, 5, 5, 6. Attends, là où je suis ? Attends, là, il y a quoi ? Je sais pas, il y a des trucs blancs devant moi. Attends. Chambre avec des trucs blancs, des voiles, enfin des trucs blancs pour... Oui, ouais, il y a des voiles, et il est par là, lui. Il faut pas que j'y aille. Regarde autour de lui, là. Putain, mais il faut que j'aille où, moi ? Bah, très bonne question, j'ai du mal à regarder toutes les caméras. Alors, essaye d'aller ailleurs. Parce que c'est vrai que, en plus, la porte est très grande ouverte, ça fait très... Bah ouais, mais ceci, c'est que j'ai pas d'autre endroit où aller. Hein. Bah, si t'as pas d'autre endroit... Dans ce sens, peut-être que je suis obligé d'y aller pour le forcer. Hein. Peut-être. Bah, vu que mon but, c'est servir d'appât. Ah oui, t'as raison. Je te vois courir, vas-y. Ah, tu me vois ? Je peux te dire oui, va sinon. Oui, ouais, ouais. Là, tu as passé une porte. T'es sûr qu'il était là ? Bah, je sais pas. Je te vois pas, là. Non, parce que je suis dans un endroit où c'est... Ah, ok, non, c'est pas le même endroit. Il fait tout noir ? Ouais. J'ai une caméra où il fait tout noir et tu es là. Tu es vers les trucs blancs, justement. Merde ! On est d'accord, là, t'es contre le truc blanc et tu passes devant. Ouais, et là, il y a une... Ouais. Une ? Il y a une vitre devant moi. Ah, j'y ai passé. Ok. Je crois que les caméras sont connectées, ok. D'autres chambres en travaux. Je te vois plus pour l'instant. Ok. Lui, il a toujours pas bougé de sa pièce. Hein. Je te vois toujours pas. Ouais, en même temps, j'en profite. Hein, oh, je prends les pièces qui sont par terre. Il y a de la lumière ? Je vois plus rien. Tu vois plus rien ? J'entends du bruit. Ah, c'est bon. Il y avait trop de lumière, là, c'est bon. Elle est partie, la lumière. Ah. Je te vois toujours pas. Oh le fils de... Il est parti. Ouais. Il vient de passer devant le miroir et tout, ça m'a fait sursauter. Fils de pute. Je le vois plus. Je sais pas où vous êtes. Merde. Ben en fait moi il vient de se barrer. Si, je te vois. C'est bon, tu me vois là ? Oui, je te vois là. Il est passé par là le tueur. Il était là. J'espère qu'il va pas venir me buter. Ce qui faudrait plus la pression, ça aurait été vraiment que le tueur te cherche. Ah, attends, je vois quelqu'un. Ce qui t'aurait foutu une... Ça doit être lui. Je crois qu'il est dans une autre pièce. Ouais, il s'est barré, il était plus vers moi. Et il est derrière toi, regarde. Là, en face de toi. Eh ben. Bah, il y avait quelqu'un. Là ? Ouais.
Il y a quelqu'un en face de toi. Je sais pas qui c'était. Je peux plus bouger, je peux plus rien faire. Ouais, moi la musique elle s'intensifie. Ah j'aime pas ça. C'est un peu con qu'on nous laisse comme ça sur notre faim. Je peux rien faire, je peux rien voir. Oula. Ou alors je bug. Merde. Oliver moi. Ah merde. Oui, il a... Vite, à cours nous deux, à nous deux fils de pute. Oh, il a popé. Lui aussi, il a fait... Lui aussi, il a fait... Il a fait Sangoku. Ouais. Ah bah là, il bug même. Ah, j'ai des QTE, donc à mon avis, si je loupe, c'est... Je vois rien, là. Je sais pas où tu es. Ah bah, je cours en QTE. Toute une scène QTE. Et si à mon avis, je me loupe, il me chope. Ah, super, moi, je... Est-ce que je dois bluffer ou je dois courir? Courir, 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 courir. C'est ta mère que je vais bluffer. Oh putain, il me court vite, ce bâtard. Enfin, moi je cours. Lui, ah, il marche. Regarde, moi, Erin, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous avec moi, Erin? T'étais pas morte? Mais vas-y, ferme. Referme. Putain, mais referme. J'ai appuyé. Non, non, attends. Mais t'as dit referme, connasse. Ah oui, non, mais ce que j'avais... J'aurais loupé QTE, je pense qu'il me chopait. Hein. Le QTE m'a permis de passer. Ouais, Erin, elle est là, c'est bien ce que je pensais, elle est pas morte. Hein? What the fuck? Mais elle est morte? Ouais. Non, elle est à côté de moi. Non. Derrière toi. Oh, le bâtard, mais comment il a fait pour... Mais on lui a refermé la truc devant. T'inquiète, à chaque fois j'appuie, hein. Ah. Ouais, mais je sais pas comment il a fait pour passer, on lui a fermé la porte à la gueule. Oula. Muchacho. Oula. Jimmy. Attends, Erin, c'est un bug? Peut-être, en fait. Oh, merde. Parce que là, il vient de dire Erin. Non, mais moi, là. Il est ouvert... Attends. Je sais pas. Mais pourtant, moi, il... Attends, elle est là, Erin, non? Attends, j'arrive plus à savoir. Moi, je la vois pas. Mais je te jure, elle était à côté de moi, tout à l'heure. À mon avis, je pense que ça trouve c'est un bug visuel. Ouais, c'est un bug visuel parce qu'elle disait « Allez, allez, tu vas t'en sortir » ou je sais pas quoi, sans voix. Elle faisait juste les gestes. Et on la voit plus. What the fuck? En fait, elle est morte. Oh, putain. Mais c'est quoi, c'est le bug? Oh, non. Oh, non. Toi aussi, t'es coincé? Bah, j'ai vu la roue s'en faire enfermer. Et ça se trouve, moi aussi. Tu vas l'être. Oh, purée. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui... On va encore faire un choix, on va encore mourir. Et c'est qui va faire le choix? Est-ce que c'est pas cette fois-ci Erin? Non, nous deux. Merde. Ou peut-être moi. Non, c'était toi. Ouais, parce que le bouton est vers moi. Qu'est-ce que c'est? Un bouton. Avec un symbole inverse. À quoi il sert? Oh. Oh non. Oh, non. Bah, faut que t'appuies sur le bouton, ça serait logique, mais ça veut dire que moi aussi j'y passe. Ouais. Bouge, bouge. Mais. Ça se trouve, la porte va s'ouvrir vers toi et c'est moi qui va me faire exploser. Mais prends ta décision que tu veux. Prends la décision que tu veux. Je ne prends pas de décision cette fois. Bah, si j'en prends rien, je me fais. Je suis écrasé comme une crêpe voie ouf. Mais moi aussi. Vers moi, c'est ça? Ouais. Ce truc va me tuer si j'appuie pas. Attends, ça se trouve, faut pas que tu appuies. C'est toi qui meurs. C'est voilà, ça en c'est fait. Ça. Si j'appuie, ça se trouve, ça va rien faire. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que j'appuie. Je sais pas. Prends ta décision. Je veux pas mourir. Arrête, ça me fout la pression. Bah, j'ai pris que des décisions de merde. Désolée. Oh, putain, désolé. Putain, merde. Comment on tape solution YouTube? Merde. Je peux mourir. Bah, non, mais vas-y, prends décision. Non, je refuse de jouer le jeu. Non, tu vas te faire exploser. Je refuse de jouer à ce jeu-là, je peux pas. Je te tuerai pas. Mais non, tu vas te faire scrooge. Je peux appuyer. Ah oh, putain, j'hésite. De toute façon, même si je suis noir, je dois mourir un jour. Non, appuie. Ou pas. Et te laisse le temps de choisir quand même, hein. Non, c'est que ça a bugué parce que pendant ce temps, il y a vu rien. Jimmy, ça a bugué. Je refuse de jouer. Oui, à oui, ça a eu un petit bug, c'est pour ça. Dis aux autres que c'était mon choix. La porte, elle va s'ouvrir. Dis-moi que la porte va s'ouvrir. C'est du maître. Fais-le. Promets-moi. Oh non, pas de scratch. Dis-moi que la porte s'ouvre. C'est promis. Dis-moi que la porte s'ouvre, s'il te plaît. Oh non, merde. Oh putain. Jimmy.
Il serait pas aussi dégueulasse. Merci. Sauve ta peau, Kate. Non, s'il te plaît, pas ça. Ils vont l'arrêter. Ah non. Ah non, ils vont peut-être pas le faire. Il va peut-être s'arrêter. Parce qu'ils le font exprès avant. Ouais, ça, on te le donne, ils ont... Ultidon, ils ont bien niqué pour ça. Terrible façon de mourir. Hein? Ultidon, combien de fois ils nous ont niqué sur une scène comme ça? C'est sur le bouton. Attends. Elle a choisi d'épargner Kate au prix de sa propre vie. Admirable. Parfois, les gens vous surprennent. Jamie a choisi de ne pas sauver Erin alors qu'elle le pouvait. Mais c'est pas ça! Elle l'a laissé mourir. Mais non! Privée d'oxygène, suffoquant jusqu'à mais la non mort. C'est... On devait soit en tuer une ou une autre. C'est bâtard ce qu'il dit. Ah non, je suis pas d'accord, là. Non, mais c'est vrai. Peut-être regrettez-vous à présent de ne pas avoir pris l'indice que je non vous offre. Bah oui, hein. Non. En voulez-vous un maintenant? Oui. Non, mais je suis pas une pute, je suis oui pas une pute, je suis pas une pute. Oui. Je suis pas une pute. Oui. Je suis pas une pute. Bon, ok, d'accord, oui, parce que... Pour casse. Voyons, si Sir Arthur peut nous aider. Cette citation provient de « L'homme à la lèvre tordue ». Jamais lu? Non, je reconnais le, je connais Toto et le fantôme de la quête qui est tordue, mais... Un ami sûr est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Au fait, le chroniqueur, il était au moment où la meuf s'est fait tuer dans le premier épisode. Vous devriez y ouais retourner. Non, mais j'espère que ces discussions sont utiles. Je ne veux surtout pas vous intimider. J'observerai vos progrès, comme toujours, et cela... très attentivement. Mais c'est bizarre, Erin, elle me faisait... Elle me soutenait. Alors, à moins que c'est une sorte de fantôme. Oh, putain. C'était allez, bâtard, en fait. Oh, parce qu'elle allez a géré. Oh, GG. Elle s'est servie de son truc. En j'ai fait, pris une bonne décision. Je m'appelle pas Tifa. Ta gueule. On a senti le ta gueule désespérée. Non mais en vrai tu allons-y avant que ce connard nous trouve. Mais moi je sentais pas et puis j'avais eu la même pensée que toi qu'au pire des cas que la porte s'ouvre derrière. Donc. Mais en fait t'as survécu parce que t'as le tournevis. Si tu l'avais. Oui pas parce vu, que je te. Il aurait fallu prendre la décision. Oui, oui c'est parce que je te l'ai pas donné sinon j'étais écrasé. Oh merde. Et GG, Sinao, il dit, je suis d'accord avec toi. GG. Merci, Sinao. C'est des putains d'abusés. Mais t'as vu, de un... Bah, en fait, moi, si je l'ai pris, de base, c'est parce que je devais servir de leurre. Donc pour moi, c'est pour me défendre. Donc c'est pour ça que ça a fait les corbeaux quand j'ai dit que c'était pour ma gueule, parce qu'après, il y a eu les corbeaux qui voulaient dire que c'était un énorme choix décisif. Mais t'as survécu, je sais. Et j'ai survécu parce que je l'ai pris. Sinon, si je te l'aurais confié, en disant je m'en fous, je me serais fait écraser. C'est ça. C'est pareil, dans Until Dawn, il y a la même chose. Dans Until Dawn, t'as un perso, si tu prends pas la fusée de détresse, et que tu la gardes pas pour toi, ou pour un tel perso, et ben le perso meurt parce que t'as pas pris la fusée de détresse. C'est dans le même genre, en fait. Il y a des trucs quand même qui se ressemblent un peu. Mais bon. C'est ça. Oh, les lags. Alors je sais pas ce que tu vois pour l'instant, toi. La rousse. D'accord, bah moi c'est le... Je sais plus comment la il s'appelle, bête. Marc. Avant c'était le noir. Je crois que c'est le perso black, là, c'est nous. C'est Marc, hein. Il y a Marc, hein. Putain, je lag, enculé de ta race, là. D'accord. Pardon. Non mais bon, je lag et puis le méchant il m'attaque. Vas-y, mets-lui un coup de boule. Je l'ai frappé. Attends. Il me suit. Il me follow. Non. Quoi, j'ai sauté sans sauter vraiment. Non. T'as appris une révélation, toi. Mais non, jure. D'où Jésus. Arrête putain. Mon perso, il est dehors. Ouais. Je suis dehors. En dehors de l'hôtel. Ouais. C'est énorme. Peut-être qu'il va pouvoir nous aider et ça se rapproche peut-être de la fin. Et toi, t'en es où, là? Toujours en course-poursuite ou pour l'instant, tu te déplaces? Oui. Non, je suis dans mon... Oh putain, croix-croix. Ok, je te laisse faire ce que tu fais.
Tu me diras quand t'auras fini que tu peux bouger librement avec ton perso.